Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de faire une émote à moins de 10 mètres d'un animal sauvage. Alors pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux sauvages de Fortnite. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous rendre au même emplacement que moi, donc au lac des Canoës qui se trouve juste à côté des Dirty Docks. Et là, je vais tester une hypothèse, parce que pour moi, un requin, c'est un animal sauvage. Donc est-ce que si je danse à côté du requin, ça fonctionne ? Et oui, ça fonctionne. Faire une émote à moins de 10 mètres d'un animal sauvage, ça a bien fonctionné. Donc un requin au lac des Canoës, il y en a très 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 souvent. S'il n'y a pas de requin au lac des Canoës, ben, qui est juste ici, ben, je vous conseille d'aller ici, au lac qui se trouve juste au-dessus de Misty Meadown. Il y a aussi des requins. Ici aussi, au centre, il y a aussi un requin au centre de la map, donc juste ici. Et je pense qu'il y en a peut-être même à côté de l'Azilek juste ici. Et peut-être même ben, en dessous de Coral Castle, donc juste au-dessus de Believer Beach. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, à réaliser ce défi avec un requin. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.